Salut à tous, c'est Amok, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la vitesse platine. Donc on va parler aujourd'hui de Furwind, donc un jeu sorti en 2019 sur le store. Donc c'est sorti je crois sur à peu près toutes les machines. Et il a eu droit à sa version physique en 2019 ou 2020. Je sais pas, je pense que c'est plutôt 2019, mais j'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Et je ne la possède pas. Moi j'ai acheté le jeu en démat, c'est un jeu qui vaut une dizaine d'euros. Et qui les vaut largement. Pour ce qui concerne la version physique, en fait, c'est sorti sur le site PlayAsia en version limitée à 1000 exemplaires, il me semble. Et j'avais prévu de me la prendre. J'ai fait une commande il y a, il y a j'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai fait une commande il y a 2-3 jours là avec un ami et on avait prévu de se prendre des exemplaires de Furwind. Il en restait encore quelques-uns. Et le temps que le jeu qu'on voulait les préco sorte, c'est-à-dire Céleste est sorti sur PlayAsia pour éviter de le payer en limited run qui coûte un bras. Et du coup, on attendait que Céleste sorte pour faire la commande groupée avec Furwind et d'autres jeux. Et entre-temps, bah, évidemment, tous les exemplaires ont été vendus. Ce qui fait que je me suis rabattu sur une version eBay, avec les mecs qui spéculent déjà. Donc le jeu est sorti à la base à 35 euros, c'est une espèce d'édition limitée où tu as un petit packaging un peu comme le Dunwell que je vous avais présenté, sauf qu'à l'intérieur on a l'OST, etc. Et du coup, sur eBay, j'en vois 4, dès que je vois que c'est en rupture, j'en vois 4, entre 45 et 50. Et après ça a grimpé. Je me dis bon tant pis, j'ai vraiment adoré le jeu, je m'en prends un. Donc je me préco, même pas une préco, je commande et je paye une version à 50 balles quand même, ce qui fait quand même super cher pour un jeu PS4 de nos jours. Du coup, je le prends, il en restait encore 4, deux vendeurs qui en avaient deux chacun. Et évidemment, 3 jours après, le mec annule ma commande, me rembourse, me dit qu'il a eu une inondation dans ses stocks. Donc je pense que c'est un bon pipeau parce qu'il a vu que les prix de ce jeu-là s'enflammaient sur le net. Et du coup, il s'est rétracté à vendre ses objets pas chers et pour les ressortir plus tard, sûrement au double du prix. Donc, je suppose, hein, je ne peux pas en être sûr. Donc, à ce jour, je ne possède pas et je n'ai pas pu commander ce jeu en version physique et je pense que je ne l'aurai jamais parce que je crois que les moins chers maintenant, c'est entre 65 et 70 euros. Et ça monte à bien plus. Donc, voilà, encore une fois, les jeux Limited Run ou PlayAsia, trucs limités à la con, bah voilà. On voit encore une fois comment ça se passe. Bon, j'ai peut-être été con d'attendre un peu, mais je voulais faire une commande groupée. Donc un peu les boules, quoi. Je me suis bien fait avoir sur ce coup-là, mais bon, passons. Ceci dit, le jeu, on peut y jouer en démat, c'est quand même cool. Pour le côté collection, c'est un peu dommage, mais au niveau du jeu, c'est pas cher, c'est 10 balles. Donc je vous présente ce petit jeu après le générique. Comme d'habitude, on va commencer par parler de l'histoire, de la bande son et un peu des graphismes. Et après, on passera par la suite au gameplay. Donc, au niveau de l'histoire, on arrive sur un premier point négatif. Encore une fois, donc c'est une fois n'est pas coutume pour les jeux indés. Donc, je critique, mais sans critiquer, je ne sais absolument pas combien ça coûte pour un studio de faire les traductions, etc. pour chaque pays. Mais voilà, le jeu n'est pas traduit. Donc l'histoire, si on ne comprend pas bien l'anglais comme moi, on comprend rien. Donc moi, je suis quand même allé rapidement lire le speech, quoi. Donc on incarne un petit renard qui doit sauver son village d'une armée de monstres envoyée par Darune. Et voilà, donc c'est une histoire assez classique qu'on retrouve régulièrement dans des petits jeux de plateforme. Mais voilà, c'est un peu décevant, encore une fois, d'avoir un jeu qui n'est absolument pas traduit, même si ce serait que dans les textes, ce serait cool. Mais bon, voilà, après, voilà, je critique, mais je ne sais pas combien ça coûte. Mais ce qui est sûr, c'est que par contre, ils vendent les jeux sur notre store. Donc voilà, moi je trouve ça un peu dommage d'acheter des jeux en France, parce que les mecs les vendent en France. Et qu'on n'ait pas au moins une traduction texte. Mais bon, voilà, peut-être ça s'explique vraiment par le coût de traduction. Hein. Je sais absolument pas combien ça coûte. Voilà, donc l'histoire, c'est un speech assez classique. Je pense qu'on n'en apprend pas beaucoup plus. Il y a une chose à noter, je vais vous mettre un petit passage là. Par contre, ils ont fait une langue, ils ont inventé une espèce de langue pour les persos. Franchement, je vous laisse écouter ça, c'est magnifique. I'm Claw, I'm Claw, 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 I'm Claw, I'm White Claw, I'm Claw, I'm White, White, I'm White, I'm Claw, Claw, White, 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 I'm Claw.
Après, c'est un peu marrant, quoi. Voilà, pas plus. Au niveau de la bande-son, le jeu, il est top. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'aurais aimé avoir la version physique, parce que j'ai adoré la bande-son et l'OST est dedans. Les musiques sont redondantes dans le sens où elles reviennent régulièrement. Je crois pas qu'il y ait un panel de musique vraiment différent, c'est souvent les mêmes qui reviennent sur les niveaux. Mais par contre, c'est un petit univers un peu féerique qu'on pourrait voir dans Dust and Tail, le style de musique du style. Franchement, c'est sympa. Moi, j'ai vraiment beaucoup adoré. J'adore ces petites musiques tranquilles, relaxantes. Donc, ça colle parfaitement à ce jeu. Je pense que c'est un style de musique qu'on voit beaucoup dans les RPG aussi. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, de ce côté-là, rien à dire. Même si elles sont peu nombreuses, vu qu'elles sont bonnes, voilà, moi, ça me dérangeait absolument pas. Alors, côté graphisme, c'est un petit jeu action plateforme 2D. Donc, à la pixel art, comme c'est à la mode un peu. Mais celui-ci, je trouve qu'il sort parce qu'il y en a. Il y en a qui sont vraiment vraiment pas terribles dans les jeux on va dire néo-rétro. Mais celui-ci vraiment sympa. Donc les graphismes sont assez colorés, c'est vraiment vraiment cool. Moi j'ai vraiment apprécié. Donc rien de fou encore une fois, hein. On n'est pas sur des graphismes 4K full HD. Mais franchement j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien accroché quoi. Alors côté gameplay, commencez par un petit défaut d'ailleurs, si certains d'entre vous ont fait le jeu, dites-le moi. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce de lourdeur dans le perso, dans le sens où il s'arrête pas net quand on avance, etc. C'est le seul petit défaut de gameplay que j'ai trouvé. Mais voilà, dites-le moi si vous l'avez testé et si vous pensez la même chose que moi. Comme un petit input lag, que le perso, à des moments, il répond pas pile poil, quoi. Mais sinon, franchement, c'est très 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 correct. Donc, on incarne un petit renard qui avance dans des tableaux 2D. Qui sont différents, je vais y passer après par la suite, parce qu'il y a toujours une petite mécanique qui est toujours la même selon les mondes. Mais voilà, donc en gros, on a un double saut pour atteindre des plateformes plus hautes, donc comme on voit relativement régulièrement dans les jeux. Donc, moi j'aime beaucoup cette mécanique de gameplay. On a, comme on pourrait avoir dans Castle of Illusion ou bon, DuckTales, c'est différent, c'est sur une canne, mais on peut rebondir sur les ennemis, donc pour les tuer. Et on a un bouton qui nous permet de mettre un coup de queue avec la queue du renard pour tuer les ennemis. Donc ça, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, on a une barre d'endurance à gérer. Donc voilà, au fur et à mesure qu'on va mettre des coups, la barre d'endurance se vide. Et bien évidemment, quand elle est vide, on ne peut plus taper. Donc il faut faire attention à la surveiller. Donc ça, assez sympa. Par la suite, on va acquérir des pouvoirs. Donc au fur et à mesure qu'on va terminer les tableaux, on aura des choses à ramasser et on va acquérir des pouvoirs, donc un petit pouvoir de vol, un pouvoir pour jeter des boules, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un pouvoir pour se régénérer de la santé, donc on peut se heal quand on trouve les bons items, on va pouvoir se heal, etc. Donc ça c'est sympa, franchement vraiment sympa. On peut aussi jeter des grenades, donc elles sont au nombre de 3 il me semble quand on est full. Donc ça nous permet des fois de découvrir des zones secrètes, donc de casser assez souvent pour casser des blocs de roche. Donc ça nous permet de découvrir des zones secrètes ou d'atteindre la suite du niveau tout simplement quand on est dans les niveaux un peu plus avancés. Donc voilà pour le. Je pense que pour le gameplay c'est à peu près tout, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Alors au niveau des niveaux, donc on a trois mondes de je sais plus 5 niveaux je dirais. 5 niveaux principaux, donc ce sera toujours pareil. On va avoir un niveau, on va dire, de balade dans la forêt où il va falloir. Alors, chaque niveau, on doit retrouver des parchemins et rejoindre deux morceaux d'une amulette pour faire apparaître le portail de fin de niveau et ensuite progresser dans l'aventure. Donc, on va toujours avoir le même déroulement selon les trois mondes. Donc, on aura un niveau, comme je viens de vous le dire, où on se balade dans la forêt, on doit rechercher ces choses. Un niveau où on va grimper en haut d'une tour avec de la lave au fond. Un niveau où il y a un scrolling. Donc ça c'est sympa, moi j'aime beaucoup ces choses. On le voit il me semble dans un des Rayman qui avait été fait sur PS3, il l'utilisait beaucoup. Donc on a les ombres qui nous poursuivent, on a un scrolling qui se fait et on va avancer de plateforme en plateforme. Moi j'adore ce style de niveau. Donc on retrouve un niveau comme ça, on retrouve un niveau dans la caverne. Donc c'est un niveau dans le noir, on doit aller à des endroits où il y a des lumières, des diamants nous donnent des lumières et on doit récupérer des lucioles autour de nous pour pouvoir voir ce qui se passe. Et si on n'a plus de lucioles, on meurt, donc il faut quand même régulièrement passer par des endroits pour récupérer un stock de lucioles pour pouvoir progresser dans le niveau. Donc vraiment sympa, des petits styles de niveaux différents. Donc dans chaque monde, vous aurez ça en fait. Ça va être à chaque fois un niveau de forêt, un niveau de tour à grimper, un niveau de scrolling, etc. Et toujours les mêmes. Donc c'est vrai que c'est un peu redondant, mais bon, c'est un petit jeu indé, mais vraiment sympa du coup. Bon, même si c'est toujours. Moi, ça m'a pas dérangé que ce soit toujours les mêmes mécaniques qui reviennent.
À côté de ça, on va avoir, je ne sais plus si c'est au nombre de 4 ou 5 défis par monde. Donc des défis où on va devoir aller libérer une orbe et puis après trouver la portail de sortie. Et un autre défi où il faut vider le tableau des ennemis pour débloquer un personnage. Donc c'est pas jouable, hein. C'est vraiment juste pour... Je pense que c'est un petit speech rajouté à l'histoire. On déverrouille un ami ou un perso dans l'histoire, quoi. C'est vraiment des amis du village ou... Vu que j'ai pas tout compris à l'histoire, voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Ça rajoute un petit challenge en plus. C'est des petits défis. Donc je vous dis, je crois qu'il y en a 4 de chaque par monde. Donc ça rajoute un peu de durée de vie au jeu. Voilà, parce que le jeu, faut le savoir, il est quand même relativement court. Je pense qu'entre 6 et 7 heures, le 100% est terminé. Donc c'est un peu un point négatif du jeu. C'est que voilà, il est assez court. Moi, j'ai vraiment savouré, j'ai pris mon temps. Je faisais 2-3 niveaux, puis j'ai arrêté d'y jouer. Je passais sur un autre jeu pour essayer de l'économiser, parce que j'ai vraiment, vraiment accroché au titre. Au niveau de la difficulté, ça monte crescendo. Rien d'extraordinaire. Le premier monde, c'est vraiment on se balade. Et puis petit à petit, ça monte. Voilà, il y a quelques endroits, on va perdre peut-être une ou deux vies sur un tableau. Mais c'est vraiment, de manière générale, c'est vraiment pas bien compliqué. Parce qu'en plus de ça, on a des checkpoints dans les niveaux. Donc on a une monnaie dans le jeu, voilà. On a une monnaie dans le jeu, donc vous êtes sûrement en train de le voir. Mais on ramasse des petites orbes qui nous permettent d'activer des checkpoints. Les checkpoints sont payants. Donc je crois plus tu les utilises dans ton niveau, plus tu payeras cher en orbes pour pouvoir sauvegarder. Ces orbes nous permettent aussi au village central, ce que vous verrez, c'est une map où on choisit les niveaux en fait. Et on peut retourner au village et on a un marchand. Ce marchand nous permet d'améliorer nos compétences, donc en échange de ces orbes qu'on trouve dans les niveaux. Donc ces compétences que je vous ai citées tout à l'heure, donc le fait de voler, de se régénérer la santé, etc. Donc ça, il va falloir tout améliorer pour la suite. Si vous voulez faire le 100%, voilà, il va falloir améliorer tous les trucs à fond. Mais il n'y en a pas non plus beaucoup, beaucoup. Voilà, donc c'est quand même sympa, il y a cette petite mécanique de trouver de l'argent, d'aller chez le marchand, etc. Voilà, mais vraiment, voilà, le point vraiment négatif du jeu, je dirais que c'est sa durée de vie qui est assez courte. Au niveau du bestiaire, c'est pareil, c'est assez pauvre. On retrouve généralement les mêmes ennemis selon les mondes. C'est un peu dommage. En fait, on retrouve les mêmes ennemis d'une couleur différente généralement, et il leur faut plus de hits pour mourir. Voilà, c'est genre des ennemis évolués. J'aurais préféré avoir un bestiaire différent selon les mondes, mais bon, après, voilà, ça reste correct et cohérent non plus. C'est pas gênant, quoi. Voilà, pour ce petit jeu, je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Comme vous l'aurez compris, le jeu est assez court, donc j'ai essayé de vous détailler un peu comment ça fonctionnait. On va passer à la partie trophée. Donc là, bah, pareil, pas plus à dire. Vous ramassez tous les amulettes, tous les parchemins, vous faites tous les défis, tous les challenges, et les trophées tombent de même. À la fin, il nous restera juste à refaire quelques petits niveaux en boucle pour pouvoir acquérir assez d'orbes pour acheter tout ce que le marchand a nous a proposé. Et voilà, donc vraiment le platine est assez simple, je lui mettrai une note de 3 ou 4 sur 10, ça se fait vraiment tout seul, mais c'est hyper agréable, c'est vraiment un jeu que vous pouvez faire en parallèle avec un jeu difficile pour se détendre, parce que l'univers est vraiment sympa et le jeu est vraiment cool. Voilà, donc en conclusion, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup le jeu, donc on en trouve beaucoup en ce moment sur le store de petits jeux indés, de plateformes, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sortent vraiment du lot, je trouve, sur lesquels vraiment j'ai accroché, et celui-ci en fait partie. Donc pour 10 euros sur le store, je trouve que ça les vaut largement, même si le jeu est un peu court. Bon, vous l'aurez compris, si vous voulez essayer de le choper en boîte, ça va être compliqué, le jeu est devenu très cher du coup. Et ça m'étonnerait qu'il baisse, à moins qu'il y ait une réédition, ce que j'aimerais bien pour pouvoir le recommander directement sur le site où ça sort. Mais bon, à mon avis... Je pense que celui-ci, ça va être comme Fury ou comme d'autres, je vais pouvoir m'asseoir dessus. Voilà, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que le jeu vous aura donné envie de l'essayer. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!